Et cet après-midi, à la COP25, nos différents ministres du climat, ministres fédéraux et régionaux, se sont retrouvés autour d'une même table. Mais arrivent-ils à parler d'une même voix ? Bonsoir Sophie Brems, l'ambiance de la réunion semblait constructive en tout cas. Ah, ils affichaient en tout cas un large sourire au terme de cette réunion qui a environ duré 1h30. La première réunion à 4, ambiance constructive, ambiance positive, ont-ils déclaré. Bref, apparemment, aucun signe de tension. En tout cas, les ministres ont été clairs. La Belgique remettra bien son plan énergie-climat intégré à la Commission européenne d'ici fin décembre. C'est-à-dire que les mesures régionales et fédérales vont être compilées et assemblées. Mais ils ont également affirmé avec l'objectif commun d'une réduction de moins 35% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors avec son plan, la Flandre n'y est pas encore tout à fait, mais Zoualdemir a précisé que son plan n'était pas figé et qu'il pouvait évoluer vers davantage d'efforts. Alors il reste encore quelques règles techniques à affiner et puis le plan va se retrouver sur la table mercredi prochain du comité de concertation. Ensuite, direction l'Europe, en quelque sorte, un cadeau sous le sapin. Sophie Brems à Madrid. Merci à vous, Sophie.